Très ravie de vous retrouver en ces débuts de semaine, madame, messieurs, à la une de ce journal. Les manifestations anti-MONUSCO et occidentaux se poursuivent, le quinoa ne décolère pas. C'est lundi le siège de la mission onusienne en République démocratique du Congo et quelques autres ambassades ont été envahies par de manifestants. Ce même lundi, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen de rapports de ses 26 commissions spéciales de validation du pouvoir pour ses 477 députés élus. Madame, messieurs, bienvenue dans ce journal. Ce malgré la décision du gouvernement congolais de renforcer la sécurité des ambassades et de la mission onusienne, le quinoa ne décolère pas. Ce lundi 12 février, ils étaient encore devant le siège de la mission onusienne en République démocratique du Congo pour manifester contre le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Cette série de manifestations qui a eu lieu domicile dans la ville de Kinshasa n'est pas prête à s'arrêter comme vous pouvez le constater sur ces images. Le Congolais veut le départ des différents partenaires de la République démocratique du Congo qui, selon la population, sont des hypocrites et jouent le jeu de l'agresseur qui n'est autre que le Rwanda. On ne peut pas trahir nos héros. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pour la liberté. On défend aujourd'hui nos héros. On défend Kimbang, on défend Lumumba. Un jour, Lumumba a fait dire, on va réécrire l'histoire de ce pays. C'est aujourd'hui. Ils doivent partir. Les Américains, l'Union Européenne, l'État, ils doivent partir. C'est la jeunesse qui va libérer ce pays. C'est la jeunesse ouvrière. Qu'ils rentrent chez eux. On ne veut pas les collabos chez nous. Tu ne peux pas discuter avec nous le matin et le soir, tu corromps pour nous. Ah oui. Hormis les boulevards du 30 juin, les manifestations ont eu lieu aussi ce lundi devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Le week-end dernier, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Peter Kazadi, s'est réuni en urgence avec le responsable de la police nationale congolaise et des services de sécurité pour tabler sur cette situation qui cible les représentations diplomatiques, d'où la décision de renforcer la sécurité dans les différentes ambassades ainsi que dans les installations de la MONUSCO. Une manière pour le gouvernement congolais de garantir la sécurité des diplomates étrangers qui craignent pour leur vie. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Les fronts se trouvent à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble, et nous sommes convaincus que nous allons le renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Il suffit de préciser que ces différentes manifestations ont paralysé partiellement les activités socio-économiques au centre-ville. Dans ce même chapitre de série de manifestations déclenchées par la population quinoise pour condamner l'agression rwandaise à l'est de la RDC, à ces sujets, les avis se divergent. Pour Miché Mangala, cadre de l'Union pour la nation congolaise, ces manifestations marquent particulièrement le sens de veille populaire de quinoa. Il est au micro de votre rédaction. La constitution de la République démocratique du Congo donne aux Congolais les droits de se manifester. Ce que nos frères ont fait pour revendiquer au niveau des ambassades, ils ont leurs droits. Parce que vous savez que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo est inadmissible. Aujourd'hui, ça fait une affaire de 35 ans que les Congolais et les Congos sont sous des tueries rwandaises. Il y a des négociations entamées par-ci, par-là, mais ça ne donne pas le résultat. Les Congolais ont leur manière, leur façon de voir les choses. Ils ont compris la chose de leur façon. Parce que la République démocratique du Congo, c'est leur nation. Nous estimons que ils ont voulu lancer les messages. Soit à ceux qui favorisent le mal au Congo,
que les Congolais soient tués. Regardez, mon cher ami, nous sommes en Afrique. Depuis qu'on a commencé à tuer les Congolais, nous avons des organisations régionales, des organisations sous-régionales, des organisations internationales. Mais nulle part, l'Union africaine a condamné les tueries à République démocratique du Congo. Toujours suite aux nouvelles manifestations de ce lundi 12 février 2024, le consulat de France et de la Belgique à Kinshasa ont été off, sans activité dans la ville de Kinshasa. Également, le col Kalemi, le lycée Descartes et les lycées Prince de Liège ont décidé de rester fermés, toujours pour des raisons de sécurité. Madame, Messieurs, au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale ce lundi 12 février 2024, on a procédé à l'examen de rapports de ces 26 commissions spéciales de validation de pouvoir pour ces 477 députés élus. Ouvrons ce chapitre consacré à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Retenez que le chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Tshiwewe Shongesha, a regagné la capitale le dimanche dernier avant de visiter de blessés de guerre à l'hôpital régional du camp Katindo et il a présidé une réunion de commandement au centre des coordinations des opérations. Les détails dans ces reportages. Au terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Tshiwewe Shongesha Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mon président Mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atinga ina ya kota la bino. Pour réconforter Bino dans la situation où il vous a traversé. Il y a un peu de temps, mais la petite qui n'a pas de bouquet, pas de bouquet, c'est moi qui vous a aidé. Mais il y a un bon bataille sucré. Il y a un bon bataille sucré, mais il y a un bon bataille sucré. Il y a un principe, même temps, il y a un bon bataille sucré. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, ce que je vous montre, on a un chambre à savon, un chambre à sucré, même maintenant, si vous êtes à l'hôpital, vous allez quand même entrer. Hein? Ok. Courage, hein? Merci. Merci. Mais aussi la vélo pour lui. Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données. Les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général de FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions, car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23, avec leur supplétif rwandais. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a présenté au chef d'état-major général le matériel récupéré M23. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yavavu Lungola Robert, commandant de la 33e région militaire. Accompagné du commandant des opérations au Nord et Sud Kivu, le lieutenant-général Sikabu Yassine Dafal, le général d'armée Tshiwewe Shongesha Christian a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la Task Force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa. La situation humanitaire de milliers de populations ayant fui le combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et de rebelles du M23 reste catastrophique dans la ville de Goma et ses environs. Pour soulager ses compatriotes congolais qui croupissent dans la misère, la société civile Primidi a remis le dimanche 11 février dernier dans la ville de Goma des vivres et des non-vivres à ses déplacés. Venus des différentes localités et villages du territoire de Masisi, s'est déplacé et a fui le combat entre les FARDC et les rebelles du M23, ont bénéficié dimanche à Goma d'une assistance en vivres et non-vivres de la part de la société Primidis. Cela après un plaidoyer
que le député national Patrick Munyomo a fait afin d'apporter sourire à ses Congolais. Honorable Patrick Munyomo, à sa qualité de député élu de la ville de Goma, est très préoccupé par cette situation qui occasionne plusieurs victimes. À travers sa fondation, il est en contact avec plusieurs partenaires qui peuvent contribuer au retour de la paix et assister à même les victimes. C'est ainsi que nous félicitons la société Prémibis qui, après avoir été sensibilisée par la fondation Patrick Munyomo, a attendu et vient d'assister nos compatriotes récemment affectés dans la cité de Sake, Chacha, Kiroche et une partie de Bouremana. Sel, sucre, haricots pour ne citer que ça, ont été remis aux déplacés par les membres de la fondation Patrick Munyomo. Les bénéficiaires ont salué cette intervention de l'honorable Patrick Munyomo. Avec cette assistance, la société Prémibis et le député national Patrick Munyomo restent déterminés à accompagner le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour le retour de la paix dans cette partie du Nord Kivu. Parlons cette fois-ci de l'arrivée du nouveau lot de matériel de combat et des bataillons de commando dans la ville de Goma pour renforcer la sécurité et empêcher la progression de l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leur présence sur le front de guerre dans l'est de la République, dans la province du Nord Kivu, où il y a des poursuites de combats entre le FARDC et le M23. En effet, le porte-parole militaire du Nord Kivu a annoncé le dimanche 11 février dernier l'arrivée des commandos et matériels de guerre à Goma afin de faire face aux rebelles du M23. Selon le lieutenant-colonel Kaiko Guillaume, ces matériels visent à sécuriser les entités et faire libérer d'autres villages qui sont encore sous emprise de la rébellion. Cependant, depuis le lundi 5 février dernier, le Conseil supérieur de la défense avait tenu une réunion en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, où ils ont annoncé au président de la République que toutes les dispositions ont été prises dans l'objectif de barrer la route à l'ennemi. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, avait séjourné à Goma le vendredi 8 février dernier afin de palper du plus près de l'évolution de la situation, où il était même descendu jusque dans certaines positions du FARDC dans le territoire des Masisi. Ici est de noter que le M23, par contre, continue de secouer le village qui environne le groupement des Sake. Et en même temps, ces assaillants ont ouvert un nouveau front sur l'axe Kibumba en territoire de Niragongo, où il fait face à l'armée congolaise. Toujours dans ce tableau de la situation sécuritaire, la milice de la CODECO ne veut plus combattre son propre territoire. Les rebelles de la CODECO ont décidé de rejoindre l'armée congolaise afin de chasser l'ennemi hors de la République démocratique du Congo. La milice de la coopération pour le développement du Congo, CODECO en sigle, a décidé de se joindre à l'armée congolaise afin de combattre l'ennemi de la République démocratique du Congo, dont le M23 et son allié le Rwanda. En effet, nous sommes ici au village Naïch, où le chef de ces groupes armés, qui opèrent dans la province de l'Ituri, explique comment ils sont arrivés au village Mahou et Tchélé dans le but de rejoindre le FARDC dans le combat qui les oppose avec le M23. Selon Théophile Ngadio, chef de cette milice, il a déclaré combien ils sont errés de faire la paix avec la population et l'armée congolaise. Ce dernier a ajouté ceci: nous sommes tous fils du pays, nous devons nous aimer et nous soutenir pendant que notre pays traverse une période difficile. Voilà pourquoi nous sommes réunis dans ces lieux qu'on appelle les centres de Tchélé, où il y a un grand marché. Toute cette population vient de Mao. Elle manifeste la joie de savoir que le fils du pays ne va plus s'entretuer. Mais cependant, nous serons main dans la main afin de soutenir le président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa lutte pour la paix et l'intégrité nationale. Programme de réinsertion dénommé Eli Mukwanza dans la province d'Ituri vise au total 1100 jeunes victimes de la guerre pendant une durée de 3 ans pour leur apprendre différents métiers en vue de faciliter leur réinsertion au sein de la société de Mangui et de Djougou. Selon le chef du bureau du Conseil de réfugiés congolais, ces programmes s'inscrivent dans le processus de stabilisation et de paix dans cette partie de la province d'Ituri. Les détails dans ce commentaire. Au total, 1100 jeunes sont ciblés par ces projets dénommés Eli Mukwanza, qui vise l'encadrement de jeunes affectés par les conflits armés en Ituri. À en croire le chef du bureau du Conseil danois pour le réfugié, DRC en sigle, le projet Eli Mukwanza sera exécuté en territoire de Djougou et Mahagi pendant une durée de 3 ans en vue de permettre à ces jeunes d'en prendre différents métiers pour leur faciliter la réinsertion au sein de la société. Donc ce projet, il va se charger, n'est-ce pas, de pouvoir accompagner les enfants qui auront fini des études à l'école ou qui ont abandonné l'école. On va pouvoir les accompagner à apprendre un métier. Et ce projet va permettre d'installer au moins 1100 jeunes qui seront entièrement équipés selon leurs besoins, selon leur, j'allais dire, selon ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent être plombiers, on va les accompagner et fournir le nécessaire pour qu'ils puissent faire leur travail de plombier. Donc il y aura une formation professionnelle à la fin d'au moins 6 mois. Et ensuite, des centres professionnels qui existent, nous allons renforcer la capacité de ces centres de sorte que l'activité soit perpétuée. C'est un projet de 3 ans, hein, de 9 millions de dollars, entièrement financé par la partie développement de l'Union européenne, qu'on appelle maintenant INPA, pour leur permettre d'avoir de l'espoir et participer à l'activité économique au niveau de l'Ituri. Notant que la province de l'Ituri actuellement à l'heure de sa stabilisation grâce aux efforts de paix consentis par l'administration militaire exprime de plus en plus les besoins des projets d'encadrement de la jeunesse et du développement pour marquer le début d'un nouvel élan d'espoir afin de construire une paix durable conformément au bon vouloir du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. En sport, fin de la CAN, la Côte d'Ivoire championne de sa propre compétition en battant le Nigeria en finale par 2-1. La 3e étoile pour les éléphants, une consécration d'un beau parcours fort en émotion. Suivez le résumé de cette finale dans ses commentaires signés Espoir Kinovidi. C'est la joie après 90 minutes du temps réglementaire dans les cas ivoiriens qui s'offre la plus prestigieuse compétition continentale organisée à la maison. D'abord mené au score à la 37e minute sur une reprise de tête du capitaine Nigeria Ekong Williams, les éléphants ont trouvé les ressources pour égaliser à la seconde période grâce à Franck Kessié à la 61e minute, puis renverser les super aigles du Nigeria à 10 minutes de la fin de la rencontre et décroche leur 3e sacre tant convoité. Sébastien Aller, héros national. La tristesse du Nigeria après une prestation XXL dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui termine en 2e du podium. Depuis 32 ans, la Côte d'Ivoire a disputé déjà 5 finales dans l'histoire de la CAN, dont 3 succès et 2 défaites. En 1992, les éléphants avaient remporté leur première étoile face aux Black Stars du Ghana en séance de tir au but. Tout comme en 2006, en Égypte, les Ivoiriens avaient perdu cette finale face aux pays hôtes en tir au but, soit 4-2. Face à la Zambie en 2012, Didier Drogba et ses coéquipiers n'ont pas pu résister et les Chipolopolo Boys l'ont remporté. En 2015 et 2024, sont les éditions des gloires de la génération de Yaya Touré et celle de Max Alain Gradel pour la 2e et 3e sacre pour le peuple ivoirien à la Coupe d'Afrique des Nations. Le centre de Simon Tagle. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est qui? Sébastien Aller qui va détourner ce ballon dans le petit filet.
Plusieurs jeunes filles et garçons venus des différentes communes de la ville de Kinshasa ont été soumis aux épreuves. C'était au cours de la compétition organisée par la Ligue de l'athlétisme de Kinshasa, l'IDAKIN, en sigle au terrain annexe du stade de Marty de la Pentecôte. Une compétition qui entre dans le cadre de préparatifs de grandes compétitions qui se pointent à l'horizon. Une satisfaction pour Hugues Mafou qui loue le niveau de ses athlètes. Suivez ces reportages de Patrick John Mukengeshai. La marche, course à 100, 400 et 5000 mètres, lancement de disques et de poids, ainsi que d'autres disciplines en athlétisme, ont été au rendez-vous le samedi dernier. Plusieurs athlètes sont soumis aux différentes épreuves au cours de cette grande compétition organisée par la Ligue d'athlétisme de Kinshasa, l'IDAKIN en sigle. Une note de satisfaction pour le directeur technique national de la fédération, Hugues Mafou, qui loue de vive voix les niveaux techniques de ces poulains ainsi que l'organisation de cette compétition par la l'IDAKIN. Pour lui, il y a la volonté de mieux faire par le président ainsi que son staff. Hugues Mafou en parle. C'était aussi une occasion de pouvoir palper du doigt le niveau au niveau de la capitale, surtout des athlètes dont la majorité peuvent se retrouver dans la présélection des Jeux. Et finalement, on voit dans la dernière minute confirmer leur sélection finale. J'ai vu vraiment de bonnes révélations, surtout de jeunes. Mais là, il faut signaler qu'aujourd'hui, le Congo, tel que sa constitution est à 70% des jeunes, mais au niveau de Kinshasa aussi, au niveau de la Ligue, il regorge des jeunes moins de 20 ans qui font belles prestations. Et pour moi, c'est vraiment un motif de satisfaction. Notez que cette compétition s'inscrit dans le cadre de préparatifs à de grandes compétitions qui se pointent à l'horizon, notamment deux championnats nationaux, les Jeux africains ainsi que les Jeux olympiques. La République démocratique du Congo s'est dit prête à participer à cette compétition. Confirmation du directeur technique national. Et enfin, parlons de conditions météorologiques de ce mardi 13 février. La météo prévoit une journée pluvieuse à Kinshasa avec 100% de chance le matin, l'après-midi et le soir. Au terme de la température, il fera plus froid qu'aujourd'hui. Le maximal sera des 36 degrés Celsius et le minimal de 24 degrés Celsius. Le soleil s'élèvera à 6h05 et se couchera à 18h20. L'humidité sera relative à l'air, soit de 85%. C'est tout pour ce lundi, madame, messieurs, le rappel de titre. Les manifestations anti-MONUSCO et occidentaux se poursuivent, le quinoa ne décolère pas. C'est lundi, le siège de la mission onusienne en République démocratique du Congo et quelques autres ambassades ont été envahies par de manifestants. Ce même lundi, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen de rapports de ses 26 commissions spéciales de validation du pouvoir pour ses 477 députés élus. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec la même énergie. Excellente condition télévisuelle. Au revoir.